Oui, bonjour. Mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa. Yes. Yes, sir. Un autre unboxing, celui de la TMNT Box. Ah, ben ouais. Mais je croyais que tu n'avais pas aimé le dernier unboxing qu'on avait fait. T'as raison. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on la refoie. Hein? On a quand même une boîte TMNT Box à unboxer. Bon, je t'explique. En fait, ce qui est arrivé, c'est que la dernière box, je ne l'avais pas annulée quand je l'ai reçue. Parce qu'au moment du renouvellement de la box, je ne l'avais pas encore reçue. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais skippé un mois. Et je m'étais dit, je vais voir d'attendre l'unboxing avant d'annuler ou de renouveler. Depuis, il y a eu le déménagement, on faisait des boîtes et tout. J'ai carrément oublié que j'avais juste skippé un mois. Donc, le mois d'après, je ne l'ai pas reçu. Mais le mois qui a suivi, j'ai eu une belle petite surprise. Une chance qu'elle est pas chère. Sait-on jamais, peut-être cette boîte-là va réussir à rattraper le coup de la dernière. Ne tardons plus, Sancho. Hein? On passe à l'unboxing. Mais de quoi tu parles? Moi, il n'y a rien dit, hein? On va pas porter le chapeau. All right. Et comme à l'habitude, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur avant. Sans pas grand-chose. Voyons voir le t-shirt. Très, très bien. Oui, ça me plaît. Ça me fait penser à la pochette de CD Gorillaz, si je me trompe pas. Mais avec les Tortues Ninja. Winner. Oui, j'adore. Oui, juste le t-shirt. Oui. Voilà, même s'il n'y a rien d'autre dans la boîte, je suis comblé. On en avait reçu la dernière fois, mais je me souviens plus lesquels. Là, on a eu Raphaël et Donatello. Si on a eu Michelangelo, je pense qu'on a eu Michelangelo et Leonardo. Leonardo, je suis pas sûr, mais Michelangelo, je pense que oui. Dans ce cas-là, on vient d'avoir les quatre. Et là, c'est winner. Il n'y a plus rien. Une petite boîte, mais fort intéressante cette fois-ci. D'accord, et toujours la petite le personnage carré, mais je pense que je vais les monter très très bien. Cette fois-ci, pour 10$, je trouve que j'en ai eu pour mon argent. La valeur d'un t-shirt, c'est à peu près ça, 10 à 15$. En plus, j'ai eu ça. Là, je pense que j'ai le 7, donc là, ça devient intéressant. Mais là, cette boîte-là, oui. Pour 10$, qui met toujours un t-shirt et un autre article random, c'est sûr que il manquerait une petite figurine, un petit objet de collection. Et là, ça serait la boîte. Avec un t-shirt, un goodies et une figurine, à 10$, je dirais oui à chaque mois, je m'abonnerais pour l'année. Mais quand même, pour 10$, c'est très très bon. C'est un t-shirt, un goodies, 10$. Mais je veux savoir, vous, dites-nous-le dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils se sont rattrapés depuis la dernière boîte? Est-ce que ça a demeuré le même niveau? Ou ça a un peu empiré d'après vous? Dites-nous-le dans les commentaires. Ça nous intéresse. Attends. Est-ce qu'il y a des chances qu'on voit une troisième TMNT Box? Sancho, tu sais? Oh oui, il y a des chances, hein? Je suis tenté, en fait, de revenir. Ah, tu m'étonnes. Mais pourquoi? 10$, c'est rien. Ça, c'est vrai que c'est rien. 10$, c'est un gramme de est-ce qu'on se risque? C'est à toi de voir, c'est ton argent. La troisième hein. Sera la bonne? Ah, moi, je sais pas, embarque-moi pas là-dedans. On verra. On verra? Non, surprise, non! On verra bien. Mais encore une fois, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo, on va aller chercher d'autres subscriptions. Je vous rappelle qu'on est rendu à 160, si je me trompe pas. À 200, déjà, on a un FAQ qui s'en vient. À 300, je vous offre une autre boîte. Comme on a fait à 100, que j'ai offert une Legend of Collectors. Cette fois-ci, à 300, vous choisissez la boîte entre Marvel Collector's Corp, DC Legend of Collectors, Disney Treasures ou Star Wars Smuggler's Bounty. Ça va être votre choix. À 300 subscriptions pour aller chercher les 140 qui nous manquent. Ben, si vous regardez, vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, souscrivez-vous. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!